Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la nomenclature chimie toujours. Je suis toujours dans le module de chimie L1. Donc, on va faire la nomenclature. Donc, la nomenclature, dans la nomenclature, on a trois classes, bien sûr. D'accord? On a trois classes. On a la première classe, la deuxième classe et la troisième classe. On est bien d'accord. La première classe, on l'appelle les alcanes. D'accord? Les alcanes, ça se finit toujours avec A-N-E. La deuxième classe, on les appelle les alkènes avec un E, accent N-E. Et la troisième classe, on les appelle les al avec Y-N-E. D'accord? Donc, on a dans la nomenclature trois classes. La première, elle se termine par A-N-E. La deuxième, E accent N-E. Et la troisième, Y-N-E. On commence par la première classe. La première classe, toujours, avec C-N, H-2-N, plus 2. D'accord? Et comment elle est, la première classe, t'as les alcanes, elle est saturée. D'accord. Elle est saturée, bien sûr, selon le nombre du carbone. Elle a adad le carbone. D'accord. Les alcènes avec un E-N-E, hada inktub C-N-H-2-N, mais qu'est-ce plus 2? Regardez, là, il y en a plus 2. Là, on n'écrit pas plus 2. Hada, il est saturé. Hada, il est insaturé. D'accord, insaturé. D'accord, ou fait la présence de double liaison. De double liaison. Y-N-E, CN-H2N-2. D'accord. Hada fait la présence aussi de rawabet, les liaisons, mais là c'est triple, donc présence de triple liaison. Alors, j'étais où déjà? Pour les troisièmes, les classes Y-N-E, ont la présence d'un triple liaison. D'accord, je répète, je récapitule. Maintenant, je vais résumer. On a la nomenclature, on a trois classes. La première classe, ikhlasoubl A-N-E, c'est CNH2N plus 2, ils sont saturés. La deuxième classe, ikhlasoubl E-N-E, et CNH2N plus 2, ils sont insaturés, présence de double liaison. La troisième, YNE, CNH2N, moins 2. C'est la présence de triple liaison. Yani, telle est la wabet, hna, zouj la wabet. On va dire un petit là. Mithel hna, mithel hna, ou mithel hna. Hna, mithel hna, par exemple, le N égale 1. D'accord? Le n égale à 1, si tu m'as dit comme ça. Donc 1 qui compte 1, c'est le méthyle. Meth, plutôt. 2 c'est S. 3 c'est prop. Prop. 4 c'est biot. C'est biot. Biot, à quel moment tu écris? Je ne sais pas, il faut confirmer. 5 c'est pent. 6 c'est hex, 7 c'est hept, 8 c'est non, et 10 non, hept, oct, oct et non, 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 et 10 c'est dec. D'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas fort en français, il peut le faire avec cette jumla. Mayit. Non, j'ai pas envie de pour durer l'exemple. Donc mayit. Mayit l'ithil. Birab al-buyut. Pintan. Wa hakasa. El-hiba. Okta.
ونونا ديكال. دونك ميت الإثيل برب البيوت بنتان وهكا سلهيبة أكتا ونونا ديكا. ميت سي ميثان، إثيل سي إثيل، برب سي بروب، بيوت سي بيوت، بنتان هيكسان هيب أكت نون ديكان. Voilà. Donc on donne un exemple. Par exemple, le n égale 1. Donc on a netting type c'est cnh2n plus 2. Puisque le n on a dit c'est 1, donc c'est 1 c1h1 plus 2. Donc c'est c1h taroua. D'accord. Ah voilà. H plutôt netting 2. J'ai oublié. Donc c'est 2. Là c'est 1. Donc ça va être 4. Donc ça va être CH4. Les rois, mais qui va écrire méthane avec ANE parce que là il y a CNH2N plus 2. On peut citer un autre exemple, par exemple le 2. Le 2 donc c'est CNH2N plus 2 quand le N égale 2. Donc ça veut dire c'est C2. H2 fois 2 plus 2. Donc c'est ici, c'est C2. H toujours. 2 fois 2, c'est 4. Plus 2, c'est 6. D'accord. Donc ça va être... Ça va être... C2, H6. Donc 2, c'est... Et... Fan. Avec ANE, bien sûr. Parce qu'on est toujours dans la première classe. F, parce que c'est 2. On suit pas le 6. D'accord. Ici, c'est le hydrogène. On n'a rien à voir. On suit toujours le carbone. Maintenant, on part donner un autre exemple dans la deuxième famille. La deuxième famille, on a classe bleu EN, accent NE. D'accord. On a le c'est CNH2N. Donc, CNH2N. On colle un exemple n égale 5, d'accord? Donc C5H2N fois 5. Donc ça va être C5H, 5 fois 2 c'est 10. Quand on a dit c'est 5, qu'est-ce qu'on a dit 5? C'est oct. Donc oct, attends, meth et propiote pent, pent plutôt, pent. Donc ça va être pentan avec EN, E, d'accord? Le coin c'était 1, 8, donc ça va être C8H2 fois 8. Donc 8 fois 2 c'est 16, donc ça va être H16, C8, donc ça va être octane avec EN. Si c'était la troisième classe, on a dit que se termine avec YNE et on a dit que c'est CNH2N moins 2. Donc on donne un exemple, par exemple 4, donc ça va être C. 4H2N fois 4 moins 2. Donc ça va être C4. 4 fois 2, c'est 8. 8. 8 moins 2, c'est 6. Donc ça va être butane avec YNE. Parce que biote, c'est 4. C4, c'est biote. D'accord? Donc ça, c'était la nomenclature des trois classes. Donc la première classe, toujours, c'est ANE. La deuxième classe, ENE. Et la troisième classe, c'est YNE. Il me reste le truc de la nomenclature. Comment on fait avec, avec ça? Donc quand on vous donne un schéma comme ceci, vous devrez toujours calculer du droite à du gauche à droite. D'accord? Qui va être du droite à gauche, par exemple, maintenant, comme ça. Tout ce qui est en rouge, vous allez le calculer. Voilà. Amma l'image je fais dans le chat, ils s'appellent jodor. Donc, هذا جذر, هذا جذر, هذا جذر. D'accord. Ou qui va, je te dis, qui va arrêter, هذا الطريق اللي حنسلك ومشي منه ومشي منه. Parce que لازم تحسبوا من كين أكبر عدد الكربونات هو طريق صحيح. Par exemple, نحسب هذا اللي درت 1. D'accord, هذه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est 9. D'accord? 9. Je sais pas qui est. On ajoute un cas, un autre. Donc c'est 10. Là, c'est 10. C'est CH3, c'est 10. D'accord? Mais si je calcule par exemple, ne dis maintenant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
صغيرة. ندي منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d'accord. Donc il faut toujours prendre le plus grand nombre de carbone. C'est juste un petit exemple d'ailleurs le schéma mkhatchkhlot. Donc 10. Donc 10 c'est quoi? 10 on avait dit c'est décane. Qu'est-ce qu'on a? Djouzour doka. Djouzour wesh kayen? 1 2 3. Kayen 3 wesmo mi fil. Hada jedr. D'accord, wesh kayen tani? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 5. Kain aussi 6. Oui, kain le jodor. Kain 5. Ou kain 6. Donc 5, 6. Comment ça s'appelle? Et fil. Puisque c'est 2, donc zidoulha D ici. Donc il faut que tu bras. 5, 6, D ici. 3. Missile 10 10 décane, voilà le nom. Donc c'est tout ce qu'il y a comme à savoir. Si vous voulez plus d'exemples, vous écrivez dans les commentaires. Merci, à la prochaine.